Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Mass Effect 3 sur PC. La dernière fois, nous étions arrêtés après avoir commencé le DLC donc d'Omega avec Arrête, Locke et tout ça, tout ça. Et donc, on va tout de suite continuer. Donc, j'espère que salut que vous allez bien, que vous mettez la forme. Qu'est-ce qu'il y a? On m'a chargé d'augmenter l'emprise de ce centre de commandement sur les systèmes d'exploitation d'Omega. J'ai piraté la surveillance sur de nombreux ponts. Attendez un peu. Oui, commandant. Cette zone n'est toujours pas sécurisée. Interdite pour l'instant, commandant. Qu'est-ce que c'est que ça? Les vivres vont être limités. Si nous n'avions pas perdu ce ravitaillement. Si nous n'avions pas perdu ce vaisseau, surtout. Contente de vous revoir. On m'a chargé d'augmenter l'emprise de ce centre de commandement sur les systèmes d'exploitation d'Omega. J'ai piraté la surveillance sur de nombreux ponts, mis plusieurs voies de communication sur écoute. Mais c'est tout ce que je peux faire. Il y a des terminaux dans les zones contrôlées par Cerberus. Et, bref, ce serait bien de mettre la main dessus. Quand vous trouverez ces terminaux, la simple saisie d'un code m'y accordera l'accès et plus d'influence sur les systèmes de la station. Plutôt facile. Bien, je vais garder un œil sur ma console et je vous préviendrai lorsque mes codes seront activés. Merci. Ok, nice. Un simple rappel, commandant. Quand vous trouverez les terminaux de Cerberus, veuillez y saisir... Détournement des systèmes. Merci. Chef ? Chef. Rec, t'es là ? Je te jure que si tu réponds pas... Ah, enfin ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Les onduleurs font des courts-circuits. J'essaie de contourner le problème, mais rien à faire. On peut probablement en récupérer quelque part sur Omega. Si vous tombez sur un jeu d'onduleurs qui rit, ramenez-les-moi. Je vais voir ce que je peux faire. Ok. Aria veut vous parler. Pas besoin d'en faire plus là, on a d'assez bonnes armes. Peut-être pour l'armure. Peut-être le visir a changé. C'est le casque de l'armure, du coup ça va bien avec. Hein. Laisse tomber, rien à faire, il faut des onduleurs neufs. Ouvre l'œil pour les panneaux. Je vais vérifier avec mes plans de la station pour essayer de te localiser. Je. Quoi ? Ruck ? Je trouve aucune référence à cet endroit. Non, c'est pas une blague. Je vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. T'es le seul à pouvoir te paumer comme ça. Je sais pas comment tu t'y prends. Tout ce que je veux dire, c'est que t'es super qualifié pour te perdre. Ok, donc c'était pas une quête ça. Ok, donc on va aller parler à Aria. Comment ça se présente, Az? Tous les systèmes sont opérationnels. Regardons ça. Je vois. Shepard. Il contrôle tous les accès de la station. Ça représente quoi, ces zones sombres? De nombreuses sections d'Oméga sont privées de courant. L'énergie doit être... Trouvez la source. Et il nous faudra une évaluation tactique. Je m'en charge. Shepard, on a du travail. Nos pères... Alors il nous faut des alliés. Je confirme qu'un groupe de mercenaires, ça ne sont pas les meilleurs, mais on n'a pas le choix. C'est l'heure de jouer aux diplomates. Si leur chef actuel refuse notre contrat... Pardon de vous interrompre. Qu'est-ce qu'il y a? Je déchargeais du matériel vite fait. Vous l'avez perdu. Mais je... Tout est verrouillé. Elle doit bien... Ce bunker possède des accès secrets vers d'autres parties de la station. Bon sang, Bray. Si je ne manquais pas, il faut absolument avoir les serres avec nous. Quand vous serez prête, rendez-vous à la sortie près de l'armurerie. Mais ne me faites pas attendre. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse, là? La sortie, c'est par là-bas, d'accord. Analyse des activités de Cerberus en cours. On fait quand même le tour au cas où certaines choses se soient activées. Tout ce que nous avions est prêt à l'emploi. C'est pas grand-chose. Cette zone n'est toujours pas sécurisée. Interdite pour l'instant.
J'y ai pensé, mais je fais le tour. Hein. Commandant. On sache un peu que d'être avec le Normandie. Humaine. Oui, Varcha, oui, je suis humaine. Laisse tomber. Rien à faire, il faut des onduleurs. Bonne chance à vous. Allez, tiens. Parlez-moi de vos démêlés avec ce gang. Quelques affaires mutuellement profitables et des violences occasionnelles. Les sœurs étaient à peine dans notre... Mais votre petite guerre contre les autres... C'était pas mon but. Leur chef, Darius, a profité de la situation pour se... On les recrute parce qu'ils sont doués ou parce qu'on a besoin de bras? C'est de la chair à canon. Et vous allez leur dire ça? Du calme, Shepard. Je crois qu'on va devoir affronter ça. Ok. On y va. Ok, ok. Commandant, activité de Cerberus confirmée dans votre zone. On va voir si je peux pirater leur système de transmission. Bizarre. Pourquoi laisser des caisses de sable rouge traîner comme ça? Quelque chose a peut-être détourné leur attention. Pas Darius. Le profit, c'est la seule chose qui l'intéresse. Tout le reste peut bien brûler. Comment ça se fait alors? Qui devait laisser ces caisses-là? Serait-il mort? L'un de ces conduits d'aération devrait mener en territoire des serres. Le terminal est actif. Merci, commandant. Ok. Est-ce que c'est la balle de... Non, ici c'est un... Ok. On peut redescendre. C'était juste pour voir ça, mais bon, c'était pas si terrible. Hein. Ah oui, là. Ici Az, je suis dans le système de transmission de Cerberus. Transfert en cours. J'engage l'ennemi. Envoyez d'autres renforts par ici! Pour observer les centres de détention. Ok. Et c'est tout? Ah oui, pardon, bouton. De toute façon, on n'a pas vu un seul ennemi avant ces conduits. L'avant-poste des serres est dans la tour où nous allons. On dirait que les serres s'en sortent aussi bien qu'ils peuvent. Tout comme nous, ma chère, tout comme nous. Commandant, les communications de Cerberus indiquent que leur cible de haute priorité est proche. Leurs forces seront pile sur votre chemin en direction de l'avant-poste des serres. Compris. Ok. J'aurais cru qu'il y aurait eu un objet caché ici, mais non. Ah, jouer à Mass Effect, ça me donne tellement envie de jouer au nouveau Andromeda là. En mars. Dans un mois. Je vais en février.
Ça avance vite quand même, hein. Quand on a un boulot, le temps avance très vite, hein, je peux vous le dire. Alors que quand on en a pas, ça avance très vite aussi, mais c'est pas rentable. C'est-à-dire que j'ai eu assez de chance de tomber sur le boulot sur lequel je suis tombé, donc un job de technicien helpdesk, hein, qui est assez correct. Comme c'est un domaine que j'adore, c'est pas difficile, mais c'est pas payé des milliards, hein, pas rêver, mais je m'amuse bien. Mon influence sur les systèmes de la station vient de s'accroître de 77%, commandant. Merci. Je t'en prie, ma chère. Alors. Eh bien, c'est qu'on a beaucoup plus de munitions que dans le 2. Et vraiment, ça change la vie. C'est pas difficile. Pourtant, je suis pas facile comme je vous ai déjà dit. Ennemi en approche. Scellez la zone. Ah là là, donc là, comme je vous ai dit, j'ai un peu upgrade mon setup. Hein. Mais dans quelques mois, il y aura encore une nouvelle upgrade. Le seul composant que j'avais pas encore upgrade. Hein. Ah, je vous dirai dernière après. Chance, sir. Répondez ou. Mais qu'est-ce que. Reculez. Je ne crois pas. Occupez-vous des blessés et récupérez ce que vous pouvez. Ne traînons pas ici. C'est compris. Bougez-vous. On dirait qu'on a trouvé le chef des serfs. Tiens, tiens. Naerin. Pleine de surprises, dites-moi. Aria, l'illusion était nécessaire. Il fallait que je sache quelles étaient vos intentions. Le peuple d'Omega compte sur nous. Je ne pouvais pas risquer de compromettre notre opération. Ce n'est pas vraiment ce qu'on attend d'un gang doré. Quand Cerberus a débarqué, rien n'allait plus chez les serfs. J'ai changé tout ça. Le général n'a pas cessé de nous pourchasser depuis. Il attaque en ce moment l'un de nos avant-postes. Je dois y aller. On a fini, chef. Bien. Aria, commandant Shepard, peu importe ce qui vous amène, ma réponse est non. Veuillez maintenant quitter le territoire des serfs. On vient vous aider. Commençons par rejoindre votre avant-poste. C'est généreux de votre part. Aria, le commandant parle aussi pour vous ?
Je ne l'aurais pas dit comme ça, mais c'est l'idée. Très bien. Dans ce cas... Ok. Vous avez perfectionné vos pouvoirs biotiques depuis la dernière fois. Vous avez remarqué les grenades biotiques? Vous avez toujours aimé faire exploser des choses à la moindre occasion. Oh là là, bande de gamines, vous allez vous calmer, oui? Vous allez vous calmer toutes les deux. Non mais oh. Qu'est-ce que j'ai d'utile contre les Atlas? Rien. Échec imminent. Ok. Échec système imminent. C'est la porte, bien sûr. Ah oui, sinon c'était trop beau. Allez. Tiens, c'est pas là. Visuel sur la cible alpha non confirmé. Coupez l'alimentation de ce secteur. À toutes les unités, concentrez-vous sur l'avant-poste des serres. Oula. Bon, c'est bon. Par là. Ok, la, 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 la. Désolé d'avoir coupé le micro comme ça, je devais tousser. Enfin, oui, tousser. Ah, frissons, j'ai des frissons. Il fait noir, on va se taper un monstre. Ah non, ça va. J'espère que vous n'avez pas le vertige. On me signale des renforts de serre. Dans un jeu, non, en vrai, oui. Il nous faut des hommes là-bas. Vite. Cible alpha repérée. Enfin, un peu de reconnaissance. En fait, Aria, c'est moi la cible alpha. Les fantômes qu'on voit. Prendre à viser. Un Nemesis. Okay.
on continue, hein. Le système de verrouillage a été compromis tellement de fois qu'il débloque complètement maintenant. Nairine à la base. Besoin d'un ingénieur à l'entrée des passerelles. La porte est encore bloquée. Ça risque de prendre un moment. Vous n'utilisez pas les passerelles seulement comme un passage secret vers la base, n'est-ce pas ? Rien de tel qu'une chute vertigineuse pour se débarrasser des visiteurs indésirables. Ok. Heureusement que j'ai cette lunette infra. Elles vont s'ouvrir, ces portes ? Ils y travaillent. Ils ont piraté les commandes du pont. Allons-y. Dépêchez-vous. C'est bon de vous voir, chef. On recharge. Et on avance donc petit à petit dans ce petit DLC qui est bien sympa, toutefois. Nous évacuerons les lieux dès que possible. Tâchez de ne pas perturber le travail de mes hommes. On vient de me signaler que le groupe de civils que nous avons évacué. Des adjudants ? Des créatures conçues par Cerberus qui purent... Une sorte d'arme moissonneuse. J'en ai déjà... Ça s'est empiré après votre départ. Cerberus a perdu le contrôle et ces monstres... Si Cerberus n'avait pas réussi à les contenir, toute la station serait infectée alors qu'il est. Protéger les civils. J'ai vu mes amis être. Sur ce, je vais vous laisser. Les adjudants sont un peu de. Ok. Tenez, on a trouvé d'autres fournitures médicales. On fouille un peu, hein. Lodilam. Hey, commandant, je voulais juste vous dire merci. C'est la personne qu'on a sauvée, c'est ça ? Je viens de faire mon rapport au chef, grâce aux esprits. Oh, des Krogan, tiens. Cerberus recule pour le moment. Dites aux éclaireurs d'être... Vous avez fait de l'excellent travail. Vous savez ce qui arrive à ceux qui sont... Et si je refuse, vous me tuerez et prendrez les rênes quand même. C'est vrai qu'ils ont l'air piteusement loyaux. Pas cette fois-ci. Aucun de nous ne peut réussir seul. Notre unique... Vous avez peut-être raison, mais... Ma... Vous dirigez un petit gang et vous croyez savoir ce qui est le mieux pour Omega ? Az ! Tout est en place. L'ensemble de la station est connecté. Peuple d'Omega, je suis de retour. Cerberus croit vous avoir maté. Ils croient vous avoir à leurs bottes. Ils se trompent sur toute la ligne. Vous êtes les hors-la-loi de la galaxie. Nul ne peut vous mater. Nul ne peut vous contrôler. Soyez prêts. L'occasion de vous rebeller contre vos oppresseurs approche. Ensemble, reprenons Omega. C'est ça votre plan ? Jeter les civils sur Cerberus ?
Ça vaut toujours mieux que de rester enfermés comme des bêtes. Je sais ce que vous préparez, Harry. J'ai des civils à évacuer. Ok, qu'est-ce que vous cherchez à faire ? Chercher ? Le peuple d'Omega, mon peuple. Si des civils sont exposés, Nairine, c'est ce qui la rend extrêmement prévite. Cerberus lance une nouvelle offensive. Il semblerait que je ne sois pas la... Ravi d'av... Commandant, les plateformes d'atterrissage sont à vous. On s'occupe des portes principales. Ok. C'est là-bas, ok. C'est où exactement ? Là-bas. Niveau 50 quand même. Bientôt niveau 50. Hein. Échec système imminent. Oui, tu attendras un peu, d'accord. Je fouille avant. Ok, y a rien. Il n'y a rien. D'accord, d'accord. Donc ça, c'est pas, bien sûr, c'est pas l'histoire principale, hein. C'est des DLC. Rallier à votre cause. Il faut bien que quelqu'un veille à ce que vous traitiez tout le monde avec respect. Vous voyez, Shepard. Laissez-moi deviner. Elle a dit que j'étais prévisible et donc facile à manipuler. À peu près mot pour mot. Elle croit vous mener à la baguette. Ce n'est pas nouveau. Quoi qu'il en soit, une chose n'est pas négociable. Je reste à la tête des miens. Dites-leur seulement d'être prêt. Oh, ils seront prêts. Ok. On y est presque, Shepard. Les cerfs formeront la première ligne. Ce qui libérera les Cerberus ne saura plus où donner de la tête. D'un coup, on aura les habitants et les... Il vaut mieux ne pas compromettre. J'ai appris à ne pas tout miser sur... Il est peut-être temps de changer. Je prendrai ça en considération. Je vais préparer notre prochaine action à la... Présent, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça commence à chauffer, par Présent. Il faut qu'on te ramène, et vite. Rug, est-ce que tu m'entends? Mon sang, Rug. Plus jamais ça, t'entends? J'ai cru que j'avais perdu ton signal. Ouais, bon, tu me refais plus jamais ce coup-là. Excitation, hésitant, soulagé. Je suis reconnaissant du retour d'Aria, humain. Astucieusement, j'ai un plan pour compenser mes pertes informatives. Le général a jeté le canapé d'Aria qui était dans l'au-delà pendant l'invasion. J'ai tentateur, si vous le trouvez et m'indiquez sa position, vous... C'est pas ma priorité. Appréciatif. Si... Je vous tiendrai au courant. Cours-toi.
Passez une bonne journée. Jetez un œil à mon kiosque s'il vous faut quoi que ce soit. Ok. Vous tenez le coup. Relax, je gère. Les éclaireurs sont prêts. J'ai bloqué la route de l'ennemi vers les zones critiques. L'assaut frontal devrait être moins risqué. Ils pensent qu'ils nous ont coincés ici. Ils vont avoir une surprise, pas vrai? Az vient juste d'envoyer un avertissement. On partira bientôt. Je vous écoute, Az. J'ai localisé la source d'animaux. Oui, je vois. Shepard, regardez un peu ça. Le général siphonne l'énergie d'un de mes réacteurs principaux. Mais malheureusement, ces mêmes champs de force en interdisent... Pas complètement. Il existe un chemin... L'usine de transformation de l'une des mines. On s'infiltre par là, on traverse la mine et on prend la... Bien vu, Shepard. Pas sans moi. Arya, ma patrouille l'a capturé dans... Vous ne m'avez pas capturé. Nous sommes alliés. Nairine était attendue, Bray. Retournez à vous. Les hommes des serres sont prêts. Mais si j'envoie mes troupes dans la... Vous voilà donc coincé. C'est comme si vous vous méfiez. C'est exactement comme si je... On va combattre ensemble. Je... D'accord, commandant. Attendez près de l'infirmerie. Shepard, j'ai des ordres de dernière minute. Je vous y rejoins aussi. J'en ai presque le goût dans la bouche. Bon, si on fait exception des... Des broutilles. Je n'ai pas de temps à perdre. Vous voulez aborder un sujet précis? Je l'ai dit juste fois, ça rapidement. Nous sommes différentes, mais... Vrai, en ce qui me concerne. Très bien. Quand vous serez prête, rendez-vous avec Nairine, près de l'infirmerie. Ok. Les chefs d'escouade préparent leurs unités. Parlez dans 5 minutes. Shepard, vous avez une seconde? Je sais que le temps presse, mais j'espérais vous parler, seul à seul. Arya nous rejoindra bientôt. L'occasion ne sera pas... Je n'essaie pas de dénigrer Arya. Qu'elle prenne sa revanche. Je ne le fais pas pour moi. Et je ne le fais pas non... Je sais. Vous faites tout ça pour les gens d'Omega. Quelqu'un doit bien parler pour eux, non? Des forces incroyablement puissantes sont sur le point de s'affronter. N'oubliez pas ces gens quand les champs de force seront coupés et que nous serons au combat. Je passe juste ces messages. Ça me donne de la force. De ce que je sais, on sait jamais ici, à mon avis, il peut y avoir quelque chose de j'avoue plus. J'avoue que j'ai été hypnotisée, mais à essayer d'être avec elle, ça m'a coûté de me séparer d'elle. J'espère qu'on a... Ok, allez, c'est parti. Commandant. Quitte la zone. Ok. Allez. On arrive à une usine de transformation des eaux. L'alimentation a été coupée. On va devoir forcer la porte. Je sais pas que les eaux s'inscrivent comme ça. Lol. L'accès à la mine devrait être... Et le réacteur est... Non, vous aviez des esclaves volontaires pour ça. Du calme. Ils sont tous de Cerberus. Ils ont été déchiquetés. Je n'aime pas ça. D'accord. Ce sont les adjudants. Non, ça va un peu se jouer sur l'horreur ici, c'est ça? Par contre, pas vraiment encore un jeu d'horreur. C'est un vrai bain de sang. J'ai un mauvais pressentiment. Nous ne devrions pas être... Chut! C'est quoi ce bruit? Les adjudants... Un adjudant. Oh non! Le général a dû verrouiller cet endroit pour le contenir.
Adjutant, où es-tu? Petit, petit. Alors, est-ce qu'il veut nous faire un jumpscare? Bouh! Vous avez peur? As-tu dans... L'ascenseur qui mène aux mines est derrière cette porte. Il est désactivé. Il faut qu'on rétablisse l'alimentation. Il doit bien y avoir un disjoncteur quelque part. Ces conduites alimentent la porte. Suivons-les. Ah là là. J'y viens là. Ah oui, d'accord, je vois. Le murmure s'estompe. Peut-être que l'adjudant a pris peur. Ne vous faites pas d'idée. J'ai déjà vu une de ces créatures écraser toute une unité de soldats à elle seule. Juste une unité de soldats? Eh bien, c'est pas grand-chose. Pourquoi avez-vous peur, là? Descendez l'échelle. Alors la tiresserre nous surprend avec un jumpscare là du temps. Voilà les commandes d'alimentation. Bon bien, pareil que je appuie dessus et on va tous se faire bouffer. Quand tout sera fini, il y aura beaucoup de dégâts. J'espère que vous vous concentrez. Ouvrez le feu ! Lairin, allez ! C'est donc ça un adjudant. C'est tout ? Je hais ces choses. Ah. Si c'était le cas, ça vous rendrait plus efficace. On dirait plutôt qu'ils vous font peur. Ah, attendez, une petite ellipse, je reviens. Et me revoici après plusieurs jours. Donc ça a fait plusieurs jours depuis la dernière fois. On s'est arrêté. Alors, et donc on va tout de suite donc continuer où on s'est arrêté. Oh, c'est très intéressant de cette arme. Alors, c'est par où qu'on doit aller? Par là-bas, d'accord. Donc ce que j'ai fait entre ces jours, c'est que j'ai fait le multi pour débloquer les pourcentages au niveau de la carte galactique, donc je suis à 100%. Après, j'ai vu que ça descendait un petit peu petit à petit, mais faut qu'on voit. C'était où la porte? C'était là-bas, oui. On y va. Shepard, Duner, revois la déserte. On ne doit pas les laisser s'échapper. Trois coups pour tuer un adjudant, ok. Je crois qu'on les a conçus. Réessayons l'ascenseur. Allez, dans l'ascenseur. Je vais sceller la porte. Allons au milieu. Voilà. Ça va, Lairin? Ouais, je réfléchis. Le général a clairement scellé cette zone pour enfermer les adjudants. Et quelques malheureux soldats avec eux. Oui, les créatures les ont tués. Mais ne les ont pas changés en adjudants. Je ne sais pas. C'est étrange. Vous êtes seulement un peu effrayé. Cet endroit vit, Aria. Oh. Ça, alors, attendez. Rythme de Cerberus. Si vous étiez resté, vous le sentiriez peut-être. Tout ce qui se mettra en travers de notre route, on s'en occupera. Tout à fait, ma chère.
On entend les foreuses. C'est pas vrai. Elles tournent beaucoup trop fort. Cerberus doit les pousser au maximum. Nous voilà arrivés à l'étage. L'accès au réacteur doit se trouver au niveau supérieur. Trouvons un moyen d'y monter. Qu'est-ce qu'il y a d'explosé ? Dans le roche en tout cas. J'apprends à viser aussi, ce serait bien. Le sabre. Quelques petits lags. Hein. J'essaie de bouger quand même délicatement ma souris. Hein. Pour pas trop. Ok. Bien sûr, c'est cassé. Il faut qu'on trouve un autre moyen de traverser. Il faut passer sous le tapis roulant apparemment. Je peux pas transpercer ça, c'est chiant. Allez. Voilà, merci. Attendez, c'est quoi ça? Des bombes collantes. Dans le pour pistolet. Ça sent peut-être les adjudants. Ces imbéciles surchauffent complètement cet endroit. Il ne tiendra pas à moi. Restez concentrés. Ok, pour le moment ça va, c'est pas trop dur. Ça devrait nous y conduire. On remonte. Montez. J'y comptais bien. Par contre, ici, il y a quoi? Ah, les outils. Faut quand même fouiller un peu. D'accord. Comme un pied, apparemment. On a réussi. Appuyez sur le bouton. Après, pas tout de suite. Ok. Là, on peut y aller. On fera une vidéo un peu longue. Hein. Là, on est déjà à 44 minutes si je m'abuse.
Restez concentrés et trouvez l'accès au réacteur. Oh, j'ai pas vu. Poste de contrôle 247. Demande position de l'ennemi. On dirait que Cerberus a envahi les lieux et tué tout le monde. Et maintenant, on les rembourse en nature. Je suis sûr que vos ouvriers morts sont très reconnaissants. Tu m'étonnes. Donne le vertige quand même. L'ascenseur qui va au réacteur est de l'autre côté. Attention, cet endroit tombe en ruine. Oui, je l'ai remarqué, merci. Étrange, on ne nous attaque plus. Ouais, restez sur l'embuscade, vos gardes. L'embuscade, du. Ok. Bizarre qu'on ne nous attaque plus. Pourquoi vous souriez, Arya? On y est presque. Une fois les champs de force levés, c'est la guerre qui commence enfin. Pour certains d'entre nous, elle a commencé il y a plusieurs mois. Ce n'était pas la guerre, Cocotte. C'était juste l'échauffement. Si tu le dis. D'ailleurs, oui, je vais réarranger ça. Ça, c'est mieux. Hein. On sauvegarde toujours. Voilà le réacteur, droit devant. Ok, il y a le réacteur, mais il n'y a pas de rien, y a rien d'autre, non? Les quêtes annexes, tout ça. Non. Donc ouais, comme je vous ai dit, j'ai fait un peu de multi pour remplir la carte galactique à 100%. J'en ai passé une dizaine d'heures quand même. Hein. C'est pour ça que ça m'a pris un peu plus de temps. Oh. Bravo, votre plan d'attaque était impeccable. Je crois qu'on était attendu. Appâté, oui. Je savais que le réacteur ne serait pas une cible facile. Ce chemin était le seul praticable. Dommage que vous soyez dans le camp de l'homme trouble, Petrovski. Je suis dans le camp de l'humanité. C'est vous qui essayez de déclencher une guerre pour la gloire d'Aria. Mais c'est fini, tout ça. Ça ne se finira que quand même vos proches ne pourront plus vous reconnaître. Votre bravade est touchante, mais apprenez à accepter la défaite. Vous avez été neutralisé, et je pourrai vous laisser croupir. Jamais! Arya, qu'est-ce que vous avez? Arya, non! Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Bon sang, Arya, vous me forcez la main. Soyons. Nairin, là! Ok. Qui passe, d'accord.
tête à la Russie. Shepard, je ne tiendrai plus très longtemps. Vite! Ok. Encore 5 niveaux, on est niveau 50, ouais. Alors... On se dépêche sinon ils vont mourir. Hein. Enfin, pas, ils vont pas mourir, mais voilà quoi. Vous comprenez. Ici, ah si. Tenez bon. Oui, tenez bon, j'y suis bientôt. C'est tuer des milliers d'innocents. Vous entendez ça, Arya? Oui, et je m'en fiche. Arrêtez-le. Je pars de non. Essayez de détourner l'alimentation des champs de force. Et merde. Tenez bon là-bas. Détourner l'énergie pour maintenir les autres systèmes? Vous êtes folle. On est à bout de force. Nairine, votre flanc. Voilà pour qui vous travaillez, Shepard. Elle se fiche bien des innocents. Qu'est-ce que vous attendez? Surchargez ce réacteur! Elle n'hésiterait pas à sacrifier des milliers de vies. Shepard, Nairine est blessée. Je la stabilise, vous n'y arriverez pas à temps. Déclenchez la surcharge de ce putain de réacteur! C'est plutôt simple. Et pourtant, quelque chose en vous a l'air de vous retenir. Peut-être qu'au fond, vous commencez à vous dire que la galaxie serait mieux sans elle. Elle ne comprendra jamais. Ne changera jamais, même si vous gagnez, Omega. Je la ferme. Ainsi soit-il. À toutes les unités, aux stations de combat, attaque imminente. Que l'équipe de démolition se mette en position. Ça va ? Malgré tous vos efforts pour me tuer, votre bon cœur a failli me coûter cher. Shepard essayait juste de sauver des innocents. C'est tout à son honneur. Peut-être. Si on veut. Vous avez été courageuse contre ces mécas, Nairine. Mais pourquoi vous n'êtes pas comme ça? C'est pathétique. Vous vous crispez rien qu'à entendre le nom de ces abominations. Du calme. Elle vient de vous sauver. J'essaie de l'aider, Shepard. C'est pour son bien. La guerre commence.
Je ne veux pas la rater. Elle a du mal à dire merci. Ok. Ok, d'accord. On me signale que tous les champs de force sont levés. Les civils affluent dans les rues. Cerberus recule. Ça ne durera pas. Les civils ne sont pas formés pour affronter les forces de Cerberus. Ils vont se faire écraser. On ne peut pas éviter les pertes civiles. Vous allez devoir l'accepter. Je me fiche de ce que vous dites, Arya. Je ne resterai pas les bras croisés. Protégez-les comme vous le pouvez. Bien sûr, commandant. Arya, ici Bray. Au rapport. Mon équipe explore les tunnels de maintenance. Nous avons croisé les forces de Cerberus avec des ingénieurs. Ils déplacent du matériel. Je crois qu'ils posent des explosifs près des colonnes de soutien de la station. Bray, engagez le combat. Retardez-les. On arrive. Entendu. À l'attaque. S'ils font sauter la colonne centrale, ils bloqueront l'accès à l'au-delà. Séparons-nous. Oui, Nairine, menez l'assaut frontal. D'accord, mais ne comptez pas sur... J'aime quand vous jouez les deux. Le seul accès à la colonne centrale, c'est par les tunnels. Ok. Non, attendez une seconde. Si on regarde le cerveau, ça va. Ok. On va faire le Indra, vite fait. Et donc, c'est cette arme-là. J'engage la cible. Arya est là. On va rester là et vous pouvez. Attention! Envoyez des renforts dans les tunnels de maintenance. Non, on a pas besoin de celui-là. On va reprendre donc l'ancien. Le sabre. On va faire une longue vidéo, hein, donc plus d'une heure, ça c'est sûr et certain, vu qu'elle fait déjà 57 minutes. Espérons juste qu'elle ne fasse pas 2 heures. Enfin, c'est un long DLC quoi. Hein. Bon, il coûte un peu cher, 12 euros, mais. Arrêt imminent. Je me disais, je pouvais pas sprinter là, c'est bon. Oula, ils ont enlevé la passerelle, mais on peut agrandir le barrage depuis la salle de contrôle. Ça devrait nous permettre de traverser. D'accord, y'a rien d'autre, non. De Gozu. Drôle de nom de quartier, tiens. Allez, go. Contenez-les, les laissez pas passer.
là, une boîte à lettres à la poste. Shepard, il faut qu'on atteigne la colonne centrale avant que Cerberus fasse sauter ses bombes. Ah bah ce sera le bon passage. Message annexé ici. Des crédits, d'accord. Pas trop besoin de crédit pour le moment. Youhou! La résistance commence à faiblir. Je crois qu'ils envoient des forces de votre côté. Ils touchent aux colonnes de soutien. Il faut les arrêter. Niveau 46. Une fois que les panneaux d'accès seront ouverts, on pourra accéder aux commandes par là. Ouais. Je vais attendre un petit peu quand même. Je sais pas où on peut trouver les objets annexes que nous avaient demandé les utilisateurs sur Omega là, les PNJ. Enfin pour la quête du DLC quoi. C'est bon. Ces bombes viennent de s'activer. La console est bloquée. Il va falloir les désamorcer manuellement. Occupez-vous des bombes, Shepard. Je me charge de Cerberus. Il en reste trois. Cinq minutes pour faire ça, Eve. On a le temps. On aura tout fait en moins de 2 minutes, hein. Moins de 1 minute et demie même. Moins de 1 minute 10. Ok. Par ici, Shepard. Je te suis, ma chère Aria. Par ici. Oui, vas-y. La voie est libre. Bien. Irene, tout est sous contrôle de ce côté. Vous en êtes où? Nous tenons le coup, mais Cerberus a commencé à prendre des civils pour cible. Des rapports de perte arrivent. Faites ce que vous pouvez, puis rejoignez le point. Entendu, Nairine. Alors d'ici, on fait comment au juste? Pourquoi pas l'approche la plus directe? C'est vrai que c'est pas mal l'approche directe. Il remonte. Cerberus. Qu'est-ce que vous en savez? Ça pourrait être oublié ce que j'ai dit. Ça pourrait être oublié ce que j'ai dit. Ok.
Il y a des adjudants ici. Suivez notre progression et scellez les portes derrière nous. Oui, Aria. Alors, attendez... Je vais voir l'autre côté s'il y a quelque chose quand même. Ah bon, on peut monter sur l'échelle de l'autre côté, d'accord. Équipement ici... Medikit là... Mission ici, ok. Donc encore des adjudants, ça va, ils sont pas difficiles à battre. Hein. Mais j'aime bien quand même le fusil auto, là, le fusil sniper auto, je vais prendre. Je l'ai testé en PvP, en multi, j'ai bien aimé. On dirait qu'ils ont eu les yeux plus gros que le ventre. On ferait mieux d'avancer. Ah, du temps. Maintenant que la population civile est contenue, nous devrions pouvoir entamer la phase suivante du projet dans les temps. Avant de convertir l'hôte, nous devrions commencer à fixer les implants de contrôle sur les systèmes nerveux du sujet. Si nous maintenons notre taux de réussite, nous pensons être en mesure de surpasser la demande de 300%. La première génération d'adjudants a été transférée hors de la zone de confinement afin d'être équipée d'implants. Les précédents lots ont été traités et transférés dans la zone de stockage. Nous pouvons maintenant contrôler où et quand les adjudants convertissent leurs victimes. Des tests préalables sur plusieurs espèces ont démontré la capacité d'adaptation infaillible du virus, quel que soit l'hôte. Maintenant que la population civile est contenue, nous devons avant de convertir l'eau, si nous maintenons notre taux de réussite. Ok. Zidio menait des expériences sur les adjudants. Ça explique ce qu'on a vu tout à l'heure. Et bien sûr, ils font des expériences sur les adjudants. Sinon, ils sortiraient d'où? Réfléchir un peu, hein. Les 500 crédits, on sauvegarde encore un petit peu. Et on peut continuer notre aventure sur Omega. Sécurité renforcée. On ne peut ouvrir qu'une porte à la fois. Logique, vu ce qu'ils avaient enfermé là-dedans. La porte est déverrouillée. Fichons le camp d'ici. Ce chemin mène au quartier de Gozo. Attention! Tiens, je vois son nom, moi. Là qui est fait. Un petit tour de la zone. Attends, j'ai pas trouvé un seul objet, hein. Un seul objet pour les quêtes annexes, hein. C'est fort, hein. Enfin, dans cette deuxième partie du secteur d'Omega, quoi. Cet endroit me dit quelque chose. Je crois que je préférais quand Mordine Solus était là et abattait tous les pillards.
Et Martin Solus, notre médecin scientifique, tout ça du 2. Le galarien, si je ne m'abuse. Ariadne Locke Nirin Kandros. D'accord. On ne savait pas son nom de famille non plus. Kirin, maintenant on le sait. Kandros. Kandros, Kandros. Voilà, force du bruit. Bah, peut-être que je mette des munitions, ouais. Eh ben ça pète. Hein. On y est presque. Oula. On y est presque. Ouais. On est presque ouf. À l'au-delà, c'est ça. Bonne question. Si cet éclaireur des cerfs ne nous avait pas trouvés, nous serions morts. Ouais, c'est bon. Bientôt 1h10, 1h20 de vidéo déjà quand même. Cerberus est toujours dans ma station. Bien sûr qu'il y a quelque chose d'anormal. Non, je ne parle pas de ça. Laissez-moi vérifier quelque chose. Je passe en silence radio. Qu'est-ce qu'elle fabrique ? Où est Nairine ? En reconnaissance. On est des... Elle est partie à l'au-delà. Ne laissez pas passer ! On ne tiendra plus très longtemps. Attention ! C'est pas des cerfs, ça. Ils reculent. Ouh. Une engeance. Ah non, tous des adjudants, ok, je crois que c'est des engences. Non, Nairin. Ça y est. Dites à votre poste que j'arrive. Ouh. Pas contente la petite Arya. Petrovski va mourir. Tout de suite. Petrovski. Nairin Kandros était un bon soldat. Dommage qu'elle ait dû payer de sa vie pour vos misérables ambitions. Vous êtes un homme mort. Attendez. Ah ah.
encore, Petrovski. Divisons pour mieux régner, Shepard. Kandros a tué les trois adjudants sur lesquels on menait nos... Ceux-ci sont entièrement sous notre contrôle. Les prototypes de notre future armée. Maintenez le périmètre. Ne laissez pas Shepard s'approcher de ces générateurs. Allez, allez. Ne laissez pas Shepard s'approcher de ce générateur. Okay. Vous ne m'arrêterez pas aussi facilement. Essaye, mon vieux. Ça suffit. Essaye de m'arrêter qu'on va qu'on rigole. À toutes les forces de Cerberus. Rendez-vous. Ah, nice. Ok. Donc, apparemment, on aurait réussi. Cessez immédiatement toute attaque. C'est terminé. Commandant Shepard, je me rends. Vous pouvez m'emmener. C'est la chose la plus pathétique que j'ai jamais entendue. Shepard, je ne suis pas armé. Et je peux donner à l'Alliance des informations sur l'homme trouble. Vous voulez juste sauver votre peau. Mais je vous ai laissé partir d'Omega. Je mérite votre clémence. C'est vrai ça, Aria? Oui. Cerberus avait réussi à prendre la station et il m'a laissé partir. Vous sentez ça, Oleg? Votre mort n'est qu'à quelques centimètres. Gravez bien cette sensation dans votre mémoire. Je vous laisse la vie sauve. Pour ma coéquipière et pour la guerre contre votre maître. Vous feriez mieux de coopérer. Emmenez-le, Shepard. Vous et votre alliance pouvez décider de son sort. Mais sortez-le de ma station. Commandant, ravi de voir que j'ai essayé de la raisonner un jour. Vous croyez savoir ce qui vous attend, hein?
Comment ça? Je crois comprendre que l'Alliance laisse ses prisonniers de haut rang mener des vies plutôt confortables. Qui sait? Vous et moi devions. Maintenant que j'ai vu par moi-même ce dont vous êtes capable, Arya avait peut-être raison. Donc, vous allez m'exécuter. Je suis votre prisonnier. Vous ne pouvez pas m'abattre de sang-froid. Si vous ne dites pas tout à l'Alliance, je vous rends à Arya. Bray, emmenez-le. J'ai failli cliquer quand même hein, sur le clic gauche pour le buter. Vous avez une bonne maîtrise de vous, Shepard. C'est dur de résister à cette pulsion. Tu l'as dit. J'attends de tuer cet homme depuis des mois. Je me promène avec vous quelques heures et je deviens toute débonnaire. Vous êtes contagieuse. Cette victoire nous a coûté, Arya. On dirait que vous allez essayer de me vendre quelque chose. J'admire votre ténacité. Et grâce à vous, j'ai récupéré Omega. Alors, quel est votre plan? Reconstruire. À commencer par ce poste de commandement. Ça risque de prendre du temps d'enlever de mon trône la puanteur du général. Je ne sais pas si je pourrais revenir voir du pôle danse ici. Les citoyens d'Omega ont beaucoup souffert, Arya. Comment je pourrais l'oublier? Tout autour de moi me le rappelle. Ne vous en faites pas, j'honorerai. Bien, je vous laisse. Bray va vous reconduire. J'ai... Citoyens d'Omega, mon règne est rétabli. Vous avez tous une dette envers moi. Et nous les chasserons de nos terres. Mes méthodes n'ont pas toujours été populaires. Mais sécurisez cette station. Nous avons souffert. Nous avons saigné. Mais nous sommes... Vous y avez droit souvent à ce genre de discours, Bray? Pas cette fois. Vous avez une galaxie à sauver. Dites au revoir à Skyou. Ok. Voyons voir où ça nous amène. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Alors... Ok. Ok. Bien, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, même si un peu longue. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, et surtout vous abonner à la chaîne. C'était le Projet Human HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et vive les jeux vidéo!